Salut les potes! Alors aujourd'hui, regardez sur quoi on se retrouve. On se retrouve sur la pré-alpha d'un tout nouveau jeu. Attendez, hop, faut que j'utilise la souris là pour mettre en. Voilà, pour starter le truc parce qu'on peut pas avec la manette. Donc je vous avoue que c'était une grosse galère de faire cette vidéo. Parce que. Alors attendez, faut juste que je fasse un truc. Donc ouais, ça a été une galère parce que, il a fallu que je trouve un moyen de connecter ma manette. Ce que j'ai essayé avec ma manette d'Xbox, mais pas moyen, je sais pas, ça a pas voulu se connecter alors que non, ça se connecte sans problème, sans logiciel et tout. Du coup, j'ai dû trouver un logiciel pour connecter ma manette Play 4. Écoutez, comme ça, au moins, ce sera plus simple. Donc, ce jeu, bah, il a été annoncé à la conférence Ubisoft de l'E3. Si je m'abuse, vers 22h, 23h, 22h, 22h, je crois. Donc, c'est un genre de. En gros, moi, personnellement, ça me fait penser à un Rocket League. Au niveau des sensations de jeu, du. Un peu dans l'ambiance et tout. Enfin, genre coloré et tout. Et franchement, le trailer m'a donné beaucoup d'envie. Beaucoup envie, excusez-moi. Et donc, bah, là, je vais vous proposer une vidéo dessus. On va tester. Alors. Petite information, j'ai déjà fait quelques games auparavant pour tester si ma manette marchait, voir un peu les plays et tout, pour ne pas me lancer dans un truc où genre je vais être nul à l'instant et au moins que j'ai les bases quoi, parce que sinon si je me lance dans un truc instant ça va être complexe. Genre le premier game que j'ai fait, genre j'ai rien compris du tout. Déjà j'ai pris du temps pour comprendre, j'ai pris du temps pour essayer au moins un minimum d'assimiler les touches, parce que sinon ça va être infâme. Genre vraiment, si je vous record, si j'allais vous record la première game, genre au début je voulais faire ça, mais c'était vraiment impossible. Genre vraiment, c'était inutile quoi. Genre ça allait être hyper chiant au niveau du gameplay. Franchement, vraiment pas ouf quoi. Du coup, là on est en chargement. Alors des fois les chargements bug, je sais pas si c'est au niveau de ma co, au niveau de mon PC, ou au niveau juste des serveurs, parce que les serveurs, je pense, sont quand même pleins, comme la pré-alpha dure 3 jours. Alors oui, c'est que sur PC aussi. Faut pas oublier que c'est que sur PC. Donc, si vous voulez y jouer sur PC, faut aller sur Uplay, c'est le launcher de Ubisoft. Vous allez sur internet, vous marquez Uplay, hop, vous téléchargez le launcher, hop, et après vous allez sur le launcher et vous téléchargez le jeu. Le jeu fait 3, 2 ou 3 gigas, je crois. Donc ça va, c'est normal, c'est une pré-alpha, donc il n'y a pas beaucoup de contenu. Donc c'était assez rapide à télécharger, franchement, même si vous avez une co bof, franchement, moi qui ai vraiment une très mauvaise co, j'ai dû mettre quoi. Voilà, là ça a bugué. Je vous avais dit, donc on va relancer. Hop. Donc moi j'ai mis combien de temps? J'ai dû mettre 2. Ouais, 2 heures. Ouais, j'ai vraiment une co pas ouf. Ouh là là. Alors attendez, je crois que vous m'entendez pas trop, je vais baisser le son. Tout de suite. Alors attendez, putain merde. Si, hop là, sound. Oh, on s'entend plus. Ah voilà. Désolé, ça vous a fait mal à la tête. Rip les oreilles. Sound effect, voice, on va baisser ceci. Save. Hop, on y va. Alors je vous explique, le but en gros c'est quoi? On a un stade en forme de. Un peu comme les trucs de vélo aux Jeux Olympiques. Un peu comme ça je crois. Je crois que c'est comme ça. Donc là ce qu'on peut faire c'est qu'en fait on est en roller. On peut rider sur les murs. Là c'est pour prendre plus de vitesse. Alors excusez-moi si les FPS sont pas ouf, hein, je joue sur mon PC, là j'ai pas une grosse config donc. Hein. Excusez. En plus j'ai mis en 60 FPS, qualité maximale et tout, du coup, s'il y a des mini lags, vous m'excuserez. Donc là je vous explique, ou non, là ils vont marquer. En gros, là-bas c'est le joueur bleu, le truc que vous voyez là, le genre de rond coupé en 4, c'est le mec qui a la balle. Et en gros là vous voyez, regardez en haut, il y a le genre le circuit, je sais pas ce qu'il fait. Prendre la balle. Hop. Et en gros regardez le but, là regardez, dès que j'ai passé là le premier quart, là regardez. Là normalement c'est. Là voilà, et regardez, il y a un truc en orange qui s'est mis en haut. En gros, ça veut dire que en gros c'est le parcours que j'ai fait et dès que je fais un tour complet, je peux tirer dans l'anneau là qui est en haut. Voilà, là je peux commencer à tirer dedans. Là si vous tirez au bout du premier tour, ça fait un seul point. Si vous tirez au bout du deuxième tour, ça fait 3 points. Et si vous tirez au bout du. Ouh.
Oh, j'ai esquivé. Si vous tirez au bout du troisième tour, hop, je vais faire une passe à lui. Si on tire au bout du troisième tour, ça, ça fait, comment dire, passe-moi la balle, frère. Si on tire au bout du troisième tour, ça fait 5 points. Voilà. Donc là, donc oui. Donc on peut choper la balle en fait là. Donc c'est un peu genre en mode balestec quoi. Genre on fonce dans les mecs, on s'en fout. Donc on les dodge. C'est comme ça qu'on appelle ça. On les dodge pour prendre leur balle. Donc c'est avec carré. Enfin sur. Voilà, j'ai pas réussi. Parce que c'est compliqué de choper le timing et tout. J'ai encore du mal. Voilà. Donc il peut. On peut même dodge les gens qui ont pas de. Voilà. Donc là il a marqué. Là il a fait un seul tour. Du coup il a mis qu'un seul point. Le but c'est qu'on gagne au bout de 5 points. Donc soit tu fais les 3 tours sans te faire dodge sur tout le long de ton chemin. Donc là c'est pas très réactif encore. Là je suis vraiment tombé sur une game vraiment pas hyper genre les gens sont pas hyper bons je crois. Je sais pas, il y a pas beaucoup d'échanges de balles et tout. Donc c'est aussi triangle pour se faire des passes ou Y sur Xbox. Enfin sur la manette Xbox. Carré pour le dodge. Et bah du coup quand on a la balle ça fait plus de le dodge, le carré, ça fait une esquive, une genre d'esquive en fait. Je vais vous montrer, bah c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en esquivant. Donc là lui il essaie de prendre la vie. Faut que j'arrive à... Attendez, hop. Non. Oh là là. Donc comme moi j'ai des petites chutes de FPS à certains moments, des fois c'est un peu pas trop fluide. J'essaierai dès qu'il vous... dès qu'il sort je pense l'acheter vraiment, c'est un jeu qui me plaît pas mal, j'ai fait quelques games dessus. Franchement, ça me plaît bien, je trouve ça stylé. Après, vraiment à prendre bien en main, un peu comme Rocket League, mais franchement, il y a moyen de faire un truc vachement stylé. Donc, je pense que je vous record deux games. Hein. On va partir là-dessus. Donc, là, on appuie sur triangle pour demander une passe. Comme ça, après lui, il peut appuyer sur triangle pour nous la lancer instantanément. En fait, faut que nous on la demande pour que lui puisse nous la lancer. Si j'ai bien compris d'ailleurs. Ah, tu vois, donc là, il s'est fait dodge. Je l'ai dodge aussi. Je vais prendre la balle. Et on peut faire le tour dans l'autre sens aussi. Hein. Hop, je les ai brain. Là, j'ai fait l'esquive. Encore une esquive. Là, du coup, je peux pas leur faire de passe comme il me demande pas. Là, il m'a demandé, regardez, il y avait marqué Y, du coup, je vais passer. Et c'est bien parce que quand on est en difficulté, en fait, c'est vraiment un jeu en coopération de ouf. Après, on peut prendre la vitesse, regardez, en allant sur le mur, hop, et là, je rappuie sur L2 pour vraiment me mettre en mode. Voilà, pour prendre vraiment beaucoup de vitesse. Là, il faut que j'aille la chercher parce que sinon. Ah merde. Là, j'ai pas réussi. Vous voyez, j'ai encore des. C'est un peu compliqué. Oh. Oh, il m'a. Oh bah, il m'a dodge. Donc, je vais aller dans l'autre sens pour essayer de le dodge. Après, c'est compliqué dans l'autre sens parce qu'il faut vraiment avoir le bon timing. Donc, on va essayer tout de suite. Ah, dommage. Il a esquive. Bien joué. Là, on est 3 sur lui. Désolé, les petites pertes de FPS. Faudrait que j'essaie de régler ça en faisant peut-être une deuxième vidéo parce que l'alpha reste 3 jours donc. Ah, il gagne 2-0. C'est complexe là. Et oui, et si la game se finit pas, ça se finit en. Regardez, il y a un compteur de 4 minutes 11. Et si ça se ne finit pas, bah c'est au bout de 7 minutes celui qui a le plus de points à gagner. Et après, j'ai pas eu encore de égalité au bout de 7 minutes donc je pourrais pas vous dire ce que ça fait. Donc voilà. Alors attendez, hop, voilà. Alors il faut lui, du coup là il a le ballon, je vais essayer d'aller lui choper. Donc oui, qu'est-ce que je veux dire? Comme là c'est le 3, il risque d'avoir certaines démos de certains jeux, sûrement. S'il y a des jeux cool, bah je risque de vous les faire en vidéo pour tester quoi. Ça pourrait être intéressant. Donc à voir. Oh. Je vais essayer de faire le tour pour qu'il me la passe. Ah, il s'est fait dodge. Hop, alors on y va. Donc là, vous voyez, il lui a fait une demande de passe, on voit avec les mains en l'air. Du coup, à tout moment, il peut lui faire la passe. Oh là là, il lui a fait. Merde. Ah, le bâtard, il se l'est refait. Vous inquiétez pas, vous, quand vous y jouerez, normalement ce sera fluide si vous avez vraiment une bonne config. Moi, je pense que c'est ma config ou Mako. C'est Mako possible hein, aussi, parce que Mako est vraiment pas bonne quoi. Là j'attends la fibre mais... Alors, est-ce qu'on va y arriver à lui prendre? Parce que là, il la pose et ils ont gagné... Non, ils ont pas gagné. Ça sert à rien qu'il la mette là.
Ok, j'ai pris la balle. Oh, il l'a repris. Je l'ai repris. Voilà. Je sais. Oh non. Oh là là, non. Ouais, dommage. Hein. J'aurais pu la mettre là, j'avais fait quasi un tour complet. Ouais, donc c'est compliqué. En vrai, faut vraiment jouer en équipe et tout, mais je pense au micro, ça doit vraiment être ouf. Moi, j'avais personne pour le faire sur PC à ce moment-là et aussi rapidement, parce que la démo en gros est sortie hier soir, hein, à 20, bah, pendant la conférence Ubisoft, c'est-à-dire à 22h. Là, on est le lendemain à 15h. Donc vraiment, j'ai téléchargé ça pendant la nuit, j'ai configuré ma manette pendant la nuit en regardant la conf Square Enix. Et du coup après j'ai regardé si tout était nickel, j'ai testé un peu, puis je vous ai fait la vidéo là dès que je pouvais. Parce qu'il fallait aussi que je configure mon logiciel de vidéo sur le PC parce que je l'avais pas reconfiguré depuis longtemps. Oh. Oh non! Oh, j'ai mal visé. Oh, je m'en veux. Oui, allez. Non. Oh, ils vont gagner. Non, allez, 7 minutes là, on en a overtime. Non. Non, allez, allez. On a overtime. Tant que la balle n'a pas été reprise par l'autre camp, l'overtime ne se finit pas. Bien joué, il me l'a passé. Non! Il me l'a pris! Il l'a repris l'allié! Non, 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 non. Oh non! Ah, dommage! Ah, j'ai fail! J'ai fail trop de fois! J'ai fail trop de fois mon tir! Oh là là, dommage! Dommage, dommage, dommage. Bon, écoutez, comme je sais pas si ça va bug instant. Ah oui, il y a aussi un système de fan. Alors ça je vous ai pas expliqué, mais en gros j'ai pas compris encore à quoi ça sert. En gros à chaque match on gagne des fans. Alors je sais pas si ça va. En gros à un moment on va arrêter d'en gagner, on va en perdre si on fait si on fait des vite défaites. Pour ça j'en gagne encore. Peut-être que ce sera un système de rank. Peut-être, je sais pas. Donc à voir. Donc écoutez, je sais pas si ça va bugger pour la prochaine game. On se retrouve tout de suite pour la prochaine game. Donc à tout de suite. Alors les gars, là on se retrouve pour la deuxième partie. Bah du coup au final, ça n'a pas été si long. Donc en haut à gauche d'ailleurs, on regarde. Ouais, je pense que ce sera un système de rank. Hein. Parce que regardez, on voit le nombre de fans qu'ils ont. Donc là, on commence donc chaque équipe de chaque côté de la map et la balle spawn au hasard. Donc voilà. Donc là c'est nickel. Donc là du coup ils partent de l'autre côté. Du coup ok, on part comme ça. Mais non, mais frère, tu l'as fait mal ta passe. Enfin, tu la gères pas. Ah non, il a bien joué ça, bien joué. J'ai vu passer à la fin de mon retour, mais il a bien joué. Ah, tu l'as pas fait à la bonne personne. Ah ouais. Tu passes. Allez, il a eu. Allez, faut que tu l'aies. Reprends-la, prends-la, prends-la. Non, il l'a repris. Ah, je l'ai pas eu, putain, dommage. Bien joué ça. Allez, on y va. Alors, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Regardez, en haut, il y a aussi, en haut, il y a le nom du mec qui a la balle. Et comme ça, on n'a pas besoin de regarder où il est le rond qu'on prend 4 là. Un genre de cible en fait. Pour savoir qui a la balle, donc en gros, c'est marqué qui a la balle en haut. Et pour savoir si vraiment vous n'arrivez pas à remarquer quelle couleur vous êtes, même si c'est à peu près regardable, parce que les bleus ont des couleurs un peu bleutées, quoi. Et les oranges aussi. Mais regardez votre traînée en fait. Genre à un moment, moi je sais plus, j'avais une tenue, genre vraiment, je savais pas qui j'étais. Je me suis dit, bon bah, comment je fais pour savoir? Et au final, bah, j'ai regardé la traînée par terre. Ça m'a aidé à savoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, ça c'est tendu ça! Ça c'est tendu, mon pote!
Qu'est-ce que tu fais? Bien joué, vas-y, 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 fais la passe. La passe, rien. Bien joué, je l'ai. Faut que je l'ai. Faut que je la chope. Non, il m'a poussé, j'allais l'avoir. Bien joué à lui. Magnifique. Non, non, fais la, retourne derrière. Non. Allez, allez, vas-y, fais la passe. Fais la passe. Oh, l'esquive. Allez, je prends de la vitesse. Je prends de la vitesse. Allez, 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 allez. Allez, demande, demande, demande. Bien joué. Je te la fais. Nickel, vous voyez. En vrai, ça peut être grave. Ça peut vraiment être stylé comme jeu. Là, il se la refait la passe. Nickel, lui, il va la rechoper. Allez, allez, non. Bien joué. Non, oui, bien joué. Nice. Oh, ok, il m'a dodge moi, heureusement. Faut qu'il arrive à demander la passe. Ou alors qu'il tire direct. Comme on peut faire dans les deux sens. Oh non! Oh dommage! Alors, allez, on va. Faut tout recommencer là, du coup, les tours. Donc vraiment, si. Donc là. Mais c'est mieux de le faire dans le sens donné au sol, parce que du coup c'est plus rapide, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, genre, j'ai l'impression que c'est mieux fait. Parce que là, du coup, il est direct au virage, le truc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour ajuster ton tir et tout. Donc, attendez, je vais faire le tour pour lui demander l'autre sens. Non, tu veux pas me la faire? Bah, tant pis, on. Allez, 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 allez. Vas-y, frère. Non, mais l'esquive. Oh là là. Putain, j'en ai marre, je fais de la merde. Vous voyez, c'est compliqué en vrai, jouer comme jeu. Vraiment, c'est pas. Puis en plus, comme j'ai, c'est pas une excuse, hein. Je suis nul, c'est normal, hein, c'est le début. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir des micro-lags. Je regarderai ça sur le. Ouais, si, j'ai des micro-lags. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, regardez, on peut sauter. Donc ça peut être stylé, ça peut faire des. On peut faire vraiment des. Je pense des buts stylés. Genre en mode. Allez, vas-y, faites. Mais non, allez. Là, ils sont à deux tours, les bleus. C'est tendu. Hein. Ah non, pas encore. Ils sont à un tour et tout, le tout début d'un dixième. Ok, je les dodge, nice. Te fais pas dodge, te fais pas dodge. Faut pas qu'il se fasse dodge. Je vais aller vite. Mais non, il m'a dodge. J'essaie de faire le tour pour lui demander, pour qu'il m'emmène vite la balle en fait. Nice. Je la chope. Elle est où? Elle est passée où? Elle est là. Non. Ah merde. Ah là 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 là, dommage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la chaîne? Ouais, d'ailleurs, allez regarder, enfin je sais pas, je suppose que vous avez vu, hein, si vous êtes sur la chaîne, ou même si vous êtes nouveau d'ailleurs, bah, on va faire la phrase que tout le monde fait, écoutez, on n'a pas de personnalité, on part là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, hein. On s'en bat les couilles. En vrai, de vrai, moi je m'en fous, vous abonnez ou pas, c'est. Je fais. En vrai, je veux juste que vous regardiez ça et que vous preniez du plaisir en fait. Bon. Principal, on va dire. Ou que vous rigoliez avec moi, parce que là je risque de faire beaucoup de vidéos avec des potes et tout, et vraiment ça va être beaucoup axé sur l'humour en fait. En vrai, on rigole tout le temps, moi à chaque fois que je suis en partie vocale sur la play, vraiment on rigole, mais tout le temps, on a des graves bons délires, et du coup j'ai envie de vous partager ça parce que vraiment pourquoi ne le garder que pour moi, autant le partager. Alors c'est bien, il a marqué, donc ça nous fait enfin un point. Qu'au pire des cas, on a gagné, si au bout de les 7 minutes c'est pas fini. Hein. Je pense d'ailleurs pas vous faire de coupure entre les matchs. Après, peut-être que. Écoutez, à voir. J'en sais rien en fait. Parce que. Autant devant le, montage, je serais en mode bah si à ce moment-là faut faire une coupure. Bah du coup, je la ferai. Allez, non, le dodge je l'avais pas passé là. Allez, fais-moi la passe.
Non, pas bien fait ta passe, frère. Fais-moi la passe. Non, t'étais devant moi, ça. Pff, attention de pas te faire dodge. Mais non, mais non, mais non, mais non, tu déconnes, mais non. Allez, allez. Oh, il a esquivé ce bâtard. Faut que j'arrive à le rattraper. Faut que je fasse un truc stylé là. Là, faut qu'on arrive à le choper. Et si on arrive à rechoper la balle, on a gagné. Parce qu'on est en overtime. Non, 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 non. Il va la mettre. Oh, il va la mettre. Ah, faut qu'il tente le 2 tours. Bien joué, on a gagné. GG, il l'a rattrapé avant. Nice. Nice. Bon, bah, je vous aurais pas fait de belles actions à mon niveau. Mais écoutez. À voir pour vous faire d'autres vidéos. Là, je voulais vous en faire une rapidement, quand même, parce que je me suis pas cassé la tête toute la nuit, vraiment. Genre, jusqu'à 2-3 heures du matin, en me tendant à regarder la conf Square Enix, j'étais en mode bon, bah vas-y, on va paramétrer tout pour demain. Bon, heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon, je m'en serais pas sorti aujourd'hui, hein, je vous le dis. Donc, bah, sur ce, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans. Bah, là, je vous la sors. Je la sors quand. Donc le programme c'est mercredi et samedi à 13h. Bah là, mercredi. Demain on est mercredi. Donc c'est demain à 13h. Donc bah pour vous ce sera maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Voilà. Donc prochain rendez-vous samedi à 13h les gars. Sur ce, tchuss.